Freddy Fox. Peppa et ses amis s'amusent chez Rebecca Rabbit. Faisons une partie de cache-cache. Mais on va tous aller se cacher et c'est Peppa qui devra nous retrouver. D'accord. Un. Tout le monde doit avoir trouvé une cachette avant que Peppa n'ait compté jusqu'à 10. Danny et Candy se cachent derrière le tronc d'un arbuste. Zoé, Pedro et Rebecca se cachent derrière une clôture. Suzy et Emily se cachent derrière un buisson. 9, 10, attention, me voilà. Je sais où vous êtes. Oh. Peppa n'arrive à retrouver personne. Oh, zut alors, c'est trop difficile. Voilà Freddy Fox qui vient s'amuser. Bonjour Freddy. Bonjour Peppa, à quoi est-ce que vous jouez? On fait une partie de cache-cache. Mais je n'ai encore retrouvé personne. Est-ce que tu veux que je les cherche à ta place? Tu peux toujours essayer, Freddy, mais c'est trop difficile. Regarde-moi bien. Je vous ai retrouvé. Oh, bonjour, Freddy. Sortez de là. Oh. Bouh. Freddy Fox a retrouvé tout le monde. Comment est-ce que tu as fait, Freddy? Je possède un très bon odorat, Peppa. Qu'est-ce que l'odorat vient faire là-dedans? Si j'ai réussi à vous retrouver, c'est grâce à votre odeur. Mais je ne sens pas mauvais. J'ai pris un bon bain hier avant de dormir. Je sais, Suzy. Tu sens très très bon d'ailleurs. Oh. J'aurais même été capable de te retrouver les yeux fermés. Alors vas-y. Fais voir comment tu retrouves Suzy les yeux fermés. C'est facile. Vite, vite, cache-toi, Suzy. 1, 2, 3, 4, Suzy cherche une cachette. 6, 7, 8, 9, 10. Attention, Suzy, me voilà. Freddy recherche Suzy les yeux fermés. Il sent par où elle est passée. Autour de l'arbuste, derrière le petit buisson, avant de remonter sur la colline. Je t'ai retrouvée. Oh. Et tout cela grâce à mon museau. Oh oui, c'est un super nez. Oui, Pedro. Est-ce que toutes les choses ont une odeur? Oh oui. Les choses et les personnes ont une odeur particulière. Moi, par exemple, je sens quoi? Tu sens un mélange de fleurs des champs et de bottes en caoutchouc. Et moi, Freddy, j'ai quelle odeur? Tu sens un mélange d'herbes mouillées et de biscuits. Et moi, Freddy, je sens quoi? La banane et la confiture de fraises. Et moi, je sens quoi? Le lait et le bâtonnet de poisson pané. Et moi, je sens quoi? Toi, Pedro, tu sens le dentifrice. Oh. Et dis-moi, quelle est ton odeur préférée? C'est l'œuf. Quelle est la chose qui sent le plus mauvais? C'est sûrement le fromage. Oh oui! C'est bientôt l'heure de manger. Comment tu peux le savoir? Je sens une bonne odeur de soupe de carottes. Je sens l'odeur de soupe de carottes. Moi aussi. Et moi aussi. Le dîner est prêt. Venez manger ma soupe de carottes. Tout le monde se régale avec la soupe aux carottes de Maman Rabbit. Cette soupe est vraiment trop bonne. Qui cela peut-il être? La délicieuse odeur de cuisine. Oh, Monsieur Fox, bonjour. Bonjour, Maman Rabbit. Coucou, papa. J'ai mangé la soupe aux carottes que Maman Rabbit a faite pour nous. C'est bien, mon grand. Et pouvez-vous deviner ce qu'il y a comme dessert? Ça sent drôlement bon. Je dirais de la gelée à la fraise. C'est exact. Monsieur Fox adore se servir de son nez. Adore se servir de son nez. L'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Peppa se rend à la fête foraine en famille. Regardez, une exposition de véhicules de secours. Papy Dog est fier de montrer sa dépanneuse. Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse. Maman Sheep expose le camion de pompiers. Mais voici le son que fait le camion de pompiers. Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage.
Voici le son que fait mon hélicoptère. Hélicoptère, décollage, hélicoptère, décollage. Oh. Voulez-vous que je vous emmène faire un tour? Oui, s'il vous plaît. Très bien, montez à bord. Quel dommage, il n'y a plus de place pour moi. Tant pis, je vous regarderai d'ici. Papa Pig a le vertige. Youpi, on va voler dans le ciel. Oui, il peut monter à la verticale. Ou bien descendre à la verticale. Oui. Et il peut même faire des loopings. Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate. Oui, pauvre papa. Une glace, s'il vous plaît. Comme elle est bonne. Nous devrions nous poser maintenant. Appel d'urgence, demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage. J'arrive tout de suite. Vous avez de la chance, nous avons une mission à remplir. Monsieur Boule creuse un trou dans la route. Mouh! Bonjour, mademoiselle Rabbit. Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur Boule. Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau? Avec mon énorme aimant. Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, madame Rabbit? À vrai dire, je ne le sais pas encore. J'ai trouvé! Je vais le poser là pour que Monsieur Taureau puisse le retrouver facilement. Oh! À présent, je vais vous ramener chez vous. Et papa, qu'est-ce qu'il va faire? Allô? Allô, papa Pig? Ne nous attends pas pour rentrer. C'est mademoiselle Rabbit qui va nous raccompagner. J'ai compris. Papa, papa! On est monté dans le ciel, on est redescendu et on a même fait des loopings! Oh, j'ai vraiment raté quelque chose. Bon, on se retrouve plus tard à la maison. Qui a mis ce tuyau au milieu de la route? Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un raccourci. Le terrain est un peu boueux. Allez, avance! Papa Pig doit rentrer à la maison. La voiture de Papa Pig s'est embourbée. Je vais demander à Papy Dog de venir avec sa dépanneuse. Allô, Papy Dog Dépannage, bonjour. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me sortir de là? Je regrette, Papa Pig, mais je dois emporter un énorme tuyau métallique qu'un inconscient a laissé au milieu de la route. Ne quittez pas, je vais vous passer un autre service d'urgence. Allô, service des pompiers. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me dépanner? Désolé, Papa Pig, mais je dois sauver une tortue qui a grimpé dans un arbre. Ne crains rien, Titine. Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tant monter aux arbres. Tu es une tortue, pourtant. Mais... Rassurez-vous, Papa Pig, je vais vous passer un service à la hauteur de votre problème. Que signifie tout ce bruit? Mais on dirait que je vole. Mademoiselle Rabbit a sauvé Papa Pig avec son hélicoptère. Youpi! Papa a de la chance. Il va pouvoir faire un tour en hélicoptère, finalement. On lui montre de quoi mon appareil est capable. Oui. Il peut monter à la verticale. Il peut descendre à la verticale. Il est même capable de faire un looping. Aime monter, descendre et faire des loopings dans l'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Poterie. Peppa et Georges passent l'après-midi à jouer chez Zoé Zebra. Zouzou et Zaza fabriquent une jungle en pâte à modeler. Quant à Georges, il fait un dinosaure. Tandis que Peppa et Zoé font un pique-nique. Bonjour, monsieur chimpanzé. Est-ce que vous voulez une tasse de thé? Le singe a répondu oui. Quelle est la formule magique, monsieur chimpanzé? Cela veut dire s'il vous plaît. Oh, mais on n'a même pas de service à thé. On n'a qu'à en fabriquer un en pâte à modeler. Bonne idée. Georges, tu peux nous prêter la pâte à modeler, s'il te plaît? Non. Zouzou, Zaza, on a besoin de faire un service à thé pour préparer notre goûter. Non. Vous pourriez nous aider à le fabriquer?
Moi, je ferai la théière. Et nous, on va s'occuper des tasses. Voilà, Monsieur Chimpanzé va pouvoir boire son thé. Oh, cette théière est beaucoup trop molle. Les vrais services à thé ne sont pas mous. Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle parce qu'elle fait de la poterie. Ouh. Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet. D'accord, venez avec moi. C'est dans cette pièce que Madame Zebra fait de la poterie. Nous allons faire un beau service à thé. Qu'est-ce que c'est? De l'argile. Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre. Mais elle est toute molle. On dirait de la pâte à modeler. C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler. Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle. Oh! Maman Zebra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie. Et voilà, une tasse de fête. Waouh! Cela a l'air drôlement facile à faire. Aimerais-tu essayer? Oui, s'il vous plaît. C'est bizarre, c'est tout collant. Oh, qu'est-ce qui a pu se passer? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile. Je vais vous apprendre une technique plus facile. Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de verre de terre, comme ceci. Ou plutôt en verre d'argile. Je suis un petit verre d'argile, je suis un petit verre d'argile, fin et agile. Qui rampe et se faufile, je suis un petit verre d'argile. Ensuite, on l'enroule comme cela. Ça fait comme des bosses. Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main et je n'ai plus qu'à ajouter une anse. La tasse de thé est terminée. En comptant celle-là, on a deux tasses. Oui, mais pour faire un service à thé, il en faut plus. Les petits vont faire chacun leur tasse. Oui. Dinosaure. Georges a fabriqué un dinosaure. Il faut toujours que Georges fabrique des dinosaures. Oh, il fait peur ton dinosaure. À présent, nous devons faire cuire le service à thé dans un four. Grâce à la chaleur du four, l'argile va durcir. Le service à thé doit être cuit. Youpi! Il n'y a plus qu'à le peindre. Les enfants s'amusent à peindre le service à thé avec de jolies couleurs vives. Et voilà le travail. Ça y est, maintenant on peut organiser notre goûter. Oui, Zoé, on a chacun une tasse. Zut, on a oublié de fabriquer la théière, Peppa. Je sais, le dinosaure de Georges peut très bien nous servir de théière. Mais oui, je vais aller le remplir d'eau. C'est le plus beau service à thé du monde entier. Je ne sais pas s'il s'agit du plus beau, Peppa, mais c'est sans aucun doute le plus original. Théière! Le mûrier. Peppa et sa famille passent la journée chez Papy et Mamie Pig. Aujourd'hui, je vais préparer un crumble aux pommes et aux mûres. Miam, miam! J'ai besoin que vous alliez dans le jardin pour me rapporter plein de fruits. D'accord, Mamie Pig. Nous avons des paniers pour les pommes. Et aussi des seaux pour la cueillette des mûres. Nous allons commencer par le plus facile, la cueillette des pommes. Après avoir compté jusqu'à 3, nous secourons le pommier. 1, 2, 3. À présent, allons chercher les mûres. Pourquoi ne pas se contenter d'un simple crumble aux pommes? Mais parce que ce sera encore meilleur avec des mûres, papy. Bon, d'accord. Passons maintenant au plus difficile. Regardez un peu, voilà ce que j'appelle un mûrier. C'est vrai, Papa Pig, il est là depuis que je suis toute petite. Ce n'est qu'un gros tas de ronces. D'ailleurs, j'aurais dû l'arracher depuis longtemps. Ah bon? Et pourquoi est-ce que tu veux l'arracher, papy? Parce que je n'aime pas sa manière de me regarder. Ne sois pas ridicule, tu vois bien qu'il ne te veut aucun mal. En plus, il donne chaque année un tas de fruits appétissants. Georges a aperçu une grosse grappe de mûres qui lui fait drôlement envie. Attention, Georges, sinon tu risques de rester accroché. J'ai une perche spéciale pour attraper les mûres qui sont difficiles à atteindre. Tu
es super malin, toi, papy. Mais les meilleurs murs se trouvent toujours tout en haut. C'est pourquoi j'ai apporté une échelle. Ne te penche pas trop en avant, maman Pig. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude de cueillir les murs depuis que je suis toute petite. Sans doute, mais tu n'es plus une enfant à présent. Je sais parfaitement ce que je fais. Ah ! Oh non ! Maman Pig est tombée dans le mûrier. Maman, est-ce que tu peux sortir de là ? Non, je suis coincée. Tu es coincée dans un buisson de ronces comme la Belle au bois dormant ? Comment ? Il était une fois une princesse qui s'appelait la Belle au bois dormant. Un jour, elle s'endormit dans un buisson de ronces et elle y resta pendant 100 ans. C'est une bien belle histoire, Peppa. Voici Suzy Sheep. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Ma maman est coincée à l'intérieur du mûrier et elle va rester là pendant 100 ans. Oh, c'est comme la Belle au bois dormant. Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser. Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées. Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées. L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là? Il ne faut pas t'inquiéter, maman, parce que dans 100 ans, un prince charmant viendra à ton secours. Je veux bien être ce prince charmant. Papy Pig, peux-tu me prêter ton sécateur, s'il te plaît? Mais naturellement, mon brave chevalier Papa Pig. Que tout le monde recule. Prends ça, espèce de vilain buisson de ronces. Ah, mon prince charmant. Ma belle princesse. Mais vous deviez rester dans le buisson pendant 100 ans, Maman Pig. C'était un peu trop long pour moi, vois-tu? Regardez, maintenant maman ressemble à un mûrier. Je pensais que ce genre de choses ne pouvait arriver qu'à moi. Ne bouge pas pendant que nous cueillons tes fruits. Il ne nous reste plus qu'à aller les apporter à Mamie Pig. Mamie, mamie, si tu savais ce qui est arrivé à maman. Et alors, elle est tombée dans le buisson. Elle a eu l'air embarrassée et elle a commencé à crier « Ah ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! » Alors papa est arrivé et il l'a sauvée. Fin de l'histoire. Merci Peppa, mais nous avons assez entendu cette histoire pour aujourd'hui. Pourtant, elle est rigolote. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais revoir un seul mûrier. Alors tu ne mangeras plus mon crumble aux pommes et aux mûres? Oh! C'est délicieux. Maman Pig adore le crumble aux pommes et aux mûres. Tout le monde adore le crumble aux pommes et aux mûres. Bébé Alexandre. Aujourd'hui, Peppa et Georges reçoivent la visite de leur cousin. Maman, ma cousine Chloé sera là dans combien de temps exactement? Bientôt, Peppa. Tu te souviens qu'elle vient avec son petit frère Alexandre? Oh, les bébés n'arrêtent pas de pleurer. Ils font beaucoup trop de bruit. Je suis sûr et certain que ce ne sera pas le cas de bébé Alexandre. D'où peut venir ce vacarme? Serait-ce une alarme de voiture? Ou une sirène de pompier? Ah non, il s'agit de bébé Alexandre. Bonjour Peppa, bonjour Georges. Bonjour cousine Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tonton Pig. Bonjour. Bonjour tata Pig. Tu te souviens de bébé Alexandre, n'est-ce pas Peppa? Oui. Est-ce que vous comptez rester ici quelques jours? Non, ce sont les affaires dont Alexandre a besoin pour une journée. Nous ne pouvons aller nulle part sans emporter tous ces accessoires pour bébé. Oh. Coucou, mon petit bébé Alexandre. Il ne sait pas encore parler, Peppa. S'il ne parle pas encore, alors comment vous pouvez savoir ce qu'il veut? Nous essayons de deviner. Maintenant, je devine qu'il a envie de manger. Peppa, aimerais-tu donner à manger à Alexandre? Oui, s'il vous plaît. Il est l'heure de déjeuner pour bébé Alexandre. C'est ta cousine Peppa qui va te faire manger aujourd'hui, Alexandre. Ouvre la bouche, bébé. Oh, c'est bon, tu sais? Oh, il n'arrête pas de détourner la tête. Ce n'est pas facile de donner à manger à bébé Alexandre. Je vais te montrer. Attention, le gros avion va atterrir. Papa, tu sais, Peppa,
Papa, Alexandre n'accepte de manger que si tu lui fais croire que la cuillère est un avion. À toi de jouer, Peppa. Le gros avion va atterrir. Vrrr. Ouvre la bouche. Ou plutôt, ouvre la porte. Vrrr. Youpi. C'était un avion, Alexandre. Répète après moi. Avion. Comme je te l'ai déjà dit, il ne parle pas encore. Il n'a toujours pas prononcé son premier mot. Peppa, te rappelles-tu le premier mot que tu as prononcé? Pas du tout. C'était « maman ». Je croyais qu'elle avait commencé par dire « papa ». Ah non, « maman ». Et Georges, maman, quel est le premier mot qu'il a prononcé? Dinosaure. Le premier mot de Georges a été « dinosaure ». J'en connais un qui semble avoir bien mangé. Hey, c'est l'heure du bain maintenant. Bébé Alexandre prend son bain. Regarde, Alexandre, lui, c'est Monsieur Dinosaure. Répète après moi, dinosaure. Cacour. Voyons, Peppa, il ne parle pas encore. Peut-être, mais un jour ou l'autre, il finira bien par parler. Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il veut. Et maintenant, mon petit Alexandre, que veux-tu faire? Toutou. Je crois qu'il a envie d'aller faire un petit tour dehors. Il ne sait pas encore marcher, mais il peut toujours sortir dans sa poussette. Elle est drôlement perfectionnée, cette poussette. N'est-ce pas? Elle a 5 vitesses et elle est équipée de garde-boue et d'un freinage ABS. Bla, bla, bla. Ce sont des conversations de papa. Alexandre aime bien t'entendre parler, Peppa. C'est normal, c'est parce que je dis toujours des choses intéressantes. Oh, c'est le ciel. Tu peux dire ciel? Toutou. C'est du ciel, Alexandre, que la pluie tombe. Tu peux dire pluie? La pluie, c'est excellent pour les canards et les plantes. Et ça fait aussi des flaques de boue. Peppa a trouvé une grosse flaque de boue. Regarde ce que je fais, Alexandre. Je m'amuse à sauter dans une grosse flaque de boue. Parce que j'adore barboter dans la boue. Boue. Oh, oh. Alexandre vient de prononcer son premier mot. Boue. Ah. Oh. Boue. Boue. Et c'est moi qui lui ai appris à dire ce mot. Boue. Apprendre à siffler. Par un beau matin ensoleillé, Papa Pig lit son journal. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je lis mon journal au soleil. Tu fais un drôle de bruit avec ta bouche. Cela s'appelle siffler. Oh! C'est très amusant. Tu devrais essayer. Je ne sais pas comment siffler. C'est très simple. Il suffit de resserrer les lèvres et de souffler. Essaie de former un O avec tes lèvres. Oh, 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 oh. Comme ceci. Ensuite, tu peux siffler un air. Je n'ai pas la forme de bouche qu'il faut, papa. Ta bouche est parfaite. Tu as juste besoin de t'entraîner. C'est impossible à faire. Il faut du temps pour apprendre des choses aussi importantes que faire du vélo, par exemple, ou encore jouer du piano. Il m'a fallu des années pour apprendre à bouger les oreilles. Waouh. Maman Pig prépare des gâteaux dans la cuisine. Tu, Peppa? J'apprends à siffler, maman. Oh, je vois. Dis-moi, tu sais siffler, toi? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais essayé. Cela demande beaucoup d'entraînement. J'ai réussi. Maman Pig sait siffler. C'est normal que tu y arrives parce que tu es plus grande que moi. Merci, Peppa. Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre. Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler. Il faut former un O avec les lèvres et ensuite il faut souffler. Ne t'inquiète pas, Georges, c'est presque impossible à faire. Comme bouger les oreilles, par exemple. Georges sait bouger les oreilles. Siffler, c'est plus difficile. Georges sait aussi siffler. Oh.
a-t-il, Peppa? Je suis triste parce que tout le monde s'est sifflé dans la famille sauf moi. Ce n'est pas grave. Je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place? Mais bien sûr, Peppa. Mais... Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Sheep. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy? Mais... Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Est-ce que tu sais siffler, Suzy? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un O avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela? Allô? Peppa? Les gâteaux sont cuits. Super, on va se régaler. Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger. Oh oui, oh, oh, oh. Tu ne veux pas y goûter, Peppa? Non, non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. Sais-tu siffler maintenant? Je suis découragée, papa. C'est trop difficile. Jamais je n'y arriverai, jamais. T'es-tu entraînée au moins? Oui, beaucoup. Mais pourtant, cela n'a servi à rien du tout. Tu as besoin de te reposer, Peppa. Tiens, prends un gâteau. Il est encore chaud, alors souffle dessus. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te le dise? Un sifflement, ma chérie. C'est très joli en plus. Peppa a appris à siffler. Je sais enfin siffler. Vital. Pendant la récréation, Peppa et ses amis s'amusent en courant dans tous les sens. Aïe, ça fait mal. Oh là là, qu'est-ce que tu t'es fait, Peppa? Un bobo au genou. Oui. Oh, Madame Gazelle, regardez, Peppa s'est fait mal en tombant. Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa. Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie. Ensuite, elle colle un pansement dessus. Tu te sens mieux à présent? Oui, merci beaucoup. Dites-moi, les enfants, vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui. Il est encore en retard? Non, Suzy, votre ami est actuellement à l'hôpital. Oh! Alors nous allons lui rendre une petite visite. Voici l'hôpital. Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony. Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre. Oui, Madame Gazelle. Excusez-moi, Monsieur Boule, où se trouve le service où l'on soigne les enfants? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la troisième à gauche. Oh! Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur. Pedro doit sûrement dormir. Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir. Bonjour les amis. Bonjour Pedro. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro? En tout cas, tu n'as pas l'air malade. Je ne suis pas malade. Je me suis cassé la jambe, alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre. Wow. Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite. Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement. Waouh. Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez. Avec plaisir. Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro. Moi, j'ai dessiné un ballon de football. Et moi, une fleur. Et moi, Monsieur Patate. Et moi, un perroquet. Et moi, j'ai dessiné une flaque de boue. Waouh! Merci, merci à tous. Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro. D'accord. Je vais faire une petite fleur. Merci beaucoup. Pedro, qu'est-ce que ça fait d'être à l'hôpital, dis-moi? C'est super. Est-ce qu'elles sont gentilles, les infirmières? Oh oui, elles m'ont donné des autocollants. Wow. Et elles viennent dès que j'appuie sur ce gros bouton rouge. Qui est-ce qui nous dérange pendant la pause? Il doit s'agir de Pedro, non? Que veux-tu, Pedro? Nous sommes actuellement très occupés. Mais ça me gratte un petit peu, madame. Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi parce que nous ne pouvons pas retirer ton plâtre avant que ta jambe soit totalement guérie. Oui, je comprends, madame, mais ce n'est pas ma jambe qui me gratte, c'est mon oreille. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, beaucoup mieux. Il est l'heure de manger. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, Pedro?
Je pourrais avoir des spaghettis et un gâteau de semoule, s'il vous plaît? Tu peux rester au lit pour manger? Oui. ces spaghettis m'ont l'air délicieux. Le docteur Brown Bear est passé prendre des nouvelles de Pedro. Comment te sens-tu aujourd'hui, Pedro? Bien, sauf que mon oreille me gratte un petit peu, là juste derrière. Bien sûr. Eh bien, c'est signe que ta jambe est bientôt guérie. Les visites sont terminées maintenant. Au revoir, Pedro. Au revoir, les amis. Rétablis-toi vite, Pedro. Oui, Madame Gazelle. Peppa et ses camarades jouent dans la cour de récréation. Oh, Madame Gazelle, mon pansement au genou s'est décollé. Est-ce que je peux en avoir un autre? Tu n'as plus besoin de pansement, Peppa. Ton genou est guéri à présent. Ah oui. Bonjour à tous. Pedro Pony est de retour. Oh, bonjour, Pedro. Oh, mais où est passé ton plâtre, Pedro? Le médecin me l'a enlevé parce que ma jambe n'est plus cassée. Est-ce que ta jambe est solide maintenant? Elle est encore plus solide qu'avant ma fracture. Regardez, c'est une super jambe. Tu peux recommencer à courir? Vous allez voir. Pedro adore courir en rond pour s'amuser. Tout le monde adore courir en rond pour s'amuser. Cours de repos de Mademoiselle Rabbit. Peppa, George et Suzy Sheep ont passé la nuit chez Rebecca Rabbit. Oh là là, c'est drôlement rigolo de manger des carottes au petit déjeuner, Maman Rabbit. C'est ce que nous avons l'habitude de manger le matin, Peppa. Je pourrais même en manger matin, midi et soir. Bon, je dois partir au travail maintenant, passer une bonne journée. Au revoir. Et vous, Maman Rabbit, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas? Mais si je travaille, Suzy. Qui s'occupe de ces deux petits lapins, d'après toi? C'est toi, maman. Et vous pouvez m'aider, les enfants, en rangeant vos jouets avant que quelqu'un ne tombe en marchant dessus. Il doit s'agir de ma sœur. Bonjour. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Oh, tata. Je ne peux pas rester parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui. Je dois faire la caissière du supermarché, la marchande de glace et la conductrice de bus. Passe une bonne journée, grande sœur. Toi aussi, petite sœur. Oups. Oh. Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard. Oh, ma pauvre cheville. Je peux toujours aller travailler à cloche-pied. Il n'en est pas question. Tu vas rester ici pour te soigner. Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible. Eh bien, je vais te remplacer, voilà tout. Par quoi dois-je commencer? Par le supermarché. Entendu. Rebecca, occupe-toi de ta tante. D'accord, maman. Maman Rabbit est arrivée au supermarché. Ah, enfin vous voilà, Mademoiselle Rabbit. Elle s'est foulée la cheville. C'est moi qui vais la remplacer. Vous n'êtes pas Mademoiselle Rabbit? Non, je suis sa grande sœur, Maman Rabbit. C'est là que je dois m'asseoir? Oui. Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant? Non. Combien coûte ceci? Oh, je l'ignore. J'ai un bon de réduction. Acceptez-vous les chèques cadeaux? Puis-je régler avec ma carte bancaire? Suzy Sheep a revêtu son déguisement d'infirmière. N'ayez pas peur, mademoiselle. Je ne suis pas une vraie infirmière. S'il vous plaît, tirez la langue en faisant ah. Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est Maman Rabbit. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Tant mieux, parce que ce travail de caissière va me prendre la journée. Alors qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus? Stand de glace de Mademoiselle Rabbit. C'est toi, papa? J'aimerais bien savoir ce que tu fais là. Oh, Peppa, je me rendais à la salle de sport quand je me suis dit qu'une glace me donnerait du tonus. Mademoiselle Rabbit s'est tordue la cheville. Alors c'est toi qui devras tenir le stand de glace aujourd'hui. Oh, oh, je suis justement un expert en glace. Puis-je avoir une glace à la cerise, s'il vous plaît? J'en ai à la fraise, à la vanille, au chocolat, à la banane. Alors, donnez-moi une boule à la fraise, je vous prie. Ah, à la fraise. Oh, elle a complètement fondu. Que diriez-vous à la place d'une soupe à la fraise? Papy Doc Dépannage, à votre service. Mademoiselle Rabbit s'est tordue la cheville. Est-ce que vous pouvez conduire le bus aujourd'hui? Bien entendu, Peppa. Attention, départ! La voiture de Maman Sheep est tombée en panne.
Papy Doc Dépannage à votre service. Pouvez-vous venir me dépanner? Tout de suite, maman Chip. Devant faire face à un imprévu, je prie mes aimables passagers de bien vouloir m'excuser pour la gêne occasionnée. Le métier de conducteur de bus n'est pas facile, ni celui de marchand de glace. Encore moins celui de caissière de supermarché. Je me sens beaucoup mieux. Je peux marcher maintenant? Non, vous devez rester assise sans bouger. Mais s'il vous plaît, continuez à respirer. Comment vous sentez-vous, Mademoiselle Rabbit? Ce n'est pas facile de faire tout ce que tu fais. Ce n'est pas facile non plus de surveiller tes petits lapins. Tu pourras reprendre le travail demain, n'est-ce pas, petite sœur? Oui. Et toi, tu pourras reprendre ton rôle de mère poule? Oui. Le club secret. Peppa vient jouer chez son amie Suzy Chip. Bonjour Suzy. Bonjour Peppa. Pourquoi est-ce que tu portes un masque aujourd'hui? Pour que personne ne me reconnaisse. Je fais partie d'un club secret. Oh, je peux entrer dans ton club secret? Chut! Attention, on n'y entre pas comme ça. Il faut connaître le mot de passe. Quel mot de passe? Flip-flop kaboom. Flip-flop kaboom? Oui, bienvenue. Danny Dog vient jouer chez Suzy Chip. Bonjour Peppa, bonjour Suzy. Chut. Quoi? Je fais partie d'un club secret. Oui, et moi aussi. Oh. Et voici Pedro Pony, Candy Cat et Rebecca Rabbit. Bonjour. Chut. Suzy et Peppa sont membres d'un club secret. Un club secret? Est-ce qu'on peut en faire partie nous aussi? Oh, attention, on n'entre pas facilement dans le club. Vous devez d'abord prononcer le mot de passe. Chalama cookie. Chalama cookie. Ce n'est pas le mot que j'ai dit. Pour qu'il puisse rester secret, il faut qu'il change tout le temps, Peppa. Ah, alors maintenant on est membre du club secret? Absolument, oui. Et quel est notre rôle? Vous pouvez faire des tas de choses secrètes en secret. Par exemple, vous pouvez partir secrètement en mission secrète. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Montrez-nous comment on réalise une mission secrète. Oui, montrez-nous. Très bien. Peppa va vous montrer. Non, c'est toi, parce que c'est toi qui portes le masque. D'accord. Ma mission secrète consiste à aller chercher des gâteaux. Regardez-moi bien. Suzy Chip essaie de passer inaperçue. Maman, est-ce que je peux prendre des gâteaux pour mes amis, s'il te plaît? Mais bien sûr, vas-y, serre-toi. Merci, maman. Suzy Chip a réussi sa mission secrète. Bravo! Chut! Bravo! Personne ne t'a vu au moins, Suzy? Non. Enfin, juste une grande personne. Attention! Voulez-vous un jus de fruits pour accompagner vos gâteaux? Quel gâteau? Ceux que tu as pris pour les offrir à tes amis. Oh, Suzy! Que se passe-t-il? On fait partie d'un club secret pour faire des choses en secret et Suzy est allée le répéter à tout le monde. Oh, puis-je faire partie de votre club secret? S'il vous plaît, ce serait pour moi un rêve qui deviendrait réalité. Attention, on n'entre pas dans notre club comme ça. Ah non, vous devez d'abord prononcer le mot de passe. Quel est-il? Ratatin ratatouilla. Ratatin ratatouilla? C'est bien ça. Bienvenue au club, madame. Et maintenant, que dois-je faire? Attention! Voilà Papa Pig. Allez-y, parlez à mon papa. Mais surtout, ne lui dites pas un mot à propos de notre club secret. Coucou les enfants. Ah, vous êtes là, maman Chip. Quoi de neuf? Club secret. Oh non! Oh, j'ai toujours voulu appartenir à un club secret. Puis-je devenir membre? Ce n'est pas possible, papa, parce que c'est interdit aux grandes personnes. Mais ma maman est une grande personne. D'accord, mais il faut que tu connaisses le mot de passe de notre club. C'est-à-dire? Pipa dadou didou dom. Pipa dadou didou dom. Bienvenue au club. Que dois-je faire maintenant? Attention. Voici Maman Pig. Tu dois suivre maman sans te faire remarquer. Papa Pig? Ah, coucou Maman Pig. Pourquoi te caches-tu dans ce buisson? Club secret. Oh!
Oh, j'ai toujours rêvé de faire partie d'un club secret. Seulement, vous comprenez, Maman Pig, on ne peut pas accepter tout le monde. Non, sinon ce ne serait plus du tout un secret. Oh. En même temps, on n'est pas obligé que ce soit un club secret super secret. Tu as raison, cela pourrait être le club secret de tout le monde. Tous ceux qui veulent en faire partie seraient les bienvenus. Quelle bonne idée. Peppa Pig, champion du monde. Peppa et sa famille regardent du sport à la télévision. En sautant aussi loin, il établit un nouveau record du monde. Maman, c'est quoi un record du monde? Ça signifie que tu es le meilleur dans une discipline. Alors tu deviens un champion et ton nom figure dans un livre. Il existe des champions en course de vitesse, en saut en hauteur, en natation. J'aimerais que toi aussi tu sois dans le livre, papa. Mais j'y suis, mon trésor. Non. Mais si, papa est champion de saut dans une flaque de boue. Waouh! Personne ne m'a encore battu et je crois que ce n'est pas près d'arriver. Prochaine épreuve, le saut dans une flaque de boue. Quel magnifique éclaboussement! En fait, je pense que oui, c'est un nouveau record du monde. Oh. Papa, alors ce n'est plus toi le champion du monde maintenant. Ça va faire de la peine à tout le monde. Oh, oh. Je suis sûr que les gens ont autre chose à faire qu'à penser à ce genre de détails. Papa Pig, vous venez de perdre votre record du monde. Tout le monde souhaite que vous redeveniez champion. C'est très important. Vous croyez? Oui! Alors dans ce cas, je vais essayer. Dès demain. Ouais! Mais il va falloir que je m'entraîne à sauter dans des flaques de boue d'ici là. Allons, tout le monde sait comment sauter dans une flaque de boue, papa. Ah, mais tout le monde n'est pas champion, ma petite Peppa. Papa Pig est le maître en la matière. Papa, est-ce que tu vas t'entraîner à sauter avant la compétition? Non, Peppa, je dois fusionner avec la flaque de boue. Quoi? Pour sauter dans une flaque, je dois penser comme une flaque. Est-ce que tu as besoin de courir? Non. Alors tu as besoin de faire des pompes? Non. J'ai besoin de dormir et de rêver de flaques de boue. C'est le jour de la compétition de saut. Papa Pig a revêtu sa tenue de sauteur pour l'occasion. Pas moyen de retrouver ma paire de bottes dorées. Vu leur état, je les ai données à papy pour son jardinage. Mes chères bottes dorées porte-bonheur sont devenues de vulgaires bottes de jardinage. En voici des neuves. Mais ce ne sont pas les mêmes. Allô? Papy, te souviens-tu de ces vieilles bottes que je t'ai données? Oui. Papa en aurait besoin de toute urgence. Tu ne les as pas jetées à la poubelle? Non, seulement elles sont remplies de terre. Papy Pig fait pousser des tomates dans les bottes porte-bonheur de Papa Pig. Il nous les faut aujourd'hui pour le concours de saut. Entendu. Retrouvons-nous sur place. Tout le monde est venu assister au saut de Papa Pig dans la flaque de boue. Veuillez accueillir chaleureusement votre ami, le célèbre Monsieur Patate. Bonne chance, Papa Pig. Oh, mais où sont passées vos bottes porte-bonheur? Les voilà. Merci beaucoup, Papy Pig. Ça alors, elles sentent la tomate. Papa Pig est maintenant prêt à sauter dans la flaque de boue. Papa Pig est en train de se concentrer. À vos marques, prêt, sautez! D'abord, je dois fusionner avec la flaque. Je dois être la flaque. Oh! Mais où est passée la flaque de boue? La flaque de boue a sauté sur tous les spectateurs. Papa Pig a fusionné avec la flaque. Tout le monde a fusionné avec la flaque. Il s'agit d'un nouveau record du monde. Bravo! Mon papa est champion du monde. Oh, mais qui es-tu? Je m'appelle Peppa Pig. Un jour, c'est moi qui deviendrai championne de saut dans une flaque de boue. Je l'entraîne régulièrement. Oh, tu as le meilleur entraîneur qui soit. Et qu'as-tu appris? Pour pouvoir sauter dans une flaque de boue, il faut absolument porter des bottes. Oula, parole. Par une belle journée ensoleillée, Suzy Sheep vient jouer chez Peppa. Bonjour, Suzy. Mais
Peppa et Suzy sont les meilleures amies du monde. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé hier. Hier, je suis allée au bord de la mare au canard et j'ai vu Madame Duck. Eh bien, hier, je suis allée... Après, je suis allée au supermarché avec ma maman. On a acheté du pain, des carottes et... Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrêtes pas de parler, Peppa. Tu fais bla 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 bla. Du matin au soir, bla bla bla. Maman, Suzy dit que je n'arrête pas de parler. Je dois avouer que parfois tu es un vrai moulin à paroles, Peppa. Un moulin à paroles, exactement. Moulin à paroles par-ci, moulin à paroles par-là. Parler, parler, parler. On dirait que tu ne sais faire que ça. Si je voulais, je serais tout à fait capable de ne pas dire un mot. Non, ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, Suzy. Non, ce n'est pas vrai. Je peux, je te dis. Non, tu ne peux pas. Eh bien, d'accord. À partir de maintenant, je ne dirai plus un mot. Bonjour Suzy, bonjour Peppa. Bonjour Zoé, comme tu es jolie. Oh, c'est gentil, merci beaucoup Suzy. C'est parce que j'ai mis ma nouvelle robe. Qu'est-ce qu'il y a Peppa? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Oui, pourquoi est-ce que tu ne dis rien Peppa? Ah, ce jeu est vraiment stupide. Vous jouez à un jeu? Lequel? Suzy dit que je suis un moulin à paroles et que je suis incapable de me taire. Tu viens de montrer que Suzy n'avait pas tout à fait tort, Peppa. Très bien, puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus jamais à partir de maintenant. Bonjour les filles. Bonjour Dani. Bonjour Dani. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a Peppa aujourd'hui? Elle a décidé de ne plus parler. Ah, qui est-ce qui veut du raisin? Moi s'il te plaît. Moi s'il te plaît. Tu n'as pas le droit de remuer la tête, sinon c'est de la triche. Ni de cligner des yeux Peppa. Bonjour les amis. Bonjour Pedro. Pourquoi Peppa ne me dit pas bonjour? Elle a décidé de ne plus parler, plus jamais jamais. Et pourquoi? Parce que c'est un vrai moulin à paroles. Non, je ne suis pas un moulin à paroles. Est-ce que je me moque de la manière dont tu marches? Ah, oh, regardez-moi, je suis Suzy Sheep. Qu'est-ce que je te disais? Et puis, tu fais tout le temps bla 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 bou babou. Mais je ne suis pas du tout comme ça. Si, ça te ressemble un petit peu, Suzy. Tu es au moins aussi bavarde que moi. Je suis capable de garder le silence. Ce n'est pas si facile que ça. Il ne faut pas non plus exagérer, Peppa. Montre-nous comment tu gardes le silence. On n'a qu'à tous se taire ensemble. Venez, on va faire ça devant ma maman. Maman, on va tous essayer de rester silencieux. Totalement silencieux. On sera tellement silencieux qu'on pourra entendre le moindre objet tomber par terre. Aussi silencieux qu'une souris. Eh bien, dites-moi, je vous trouve drôlement bruyant pour des enfants silencieux. On est capable de rester sage comme une image quand on veut. Vous avez 3 secondes pour vous préparer à vous taire. 1, 2... Attendez, maman cochon. Voilà. Remarque. Attention. Chut. 3. Bonjour. C'est moi. Oh. Je croyais que la maison était vide. Peppa et ses amis sont en train de jouer à garder le silence. Ce n'est pas un jeu, maman. Au contraire, c'est du travail. Oh, Peppa! Peppa ne peut pas s'empêcher de parler. Oh, papa, je crois bien que je suis un moulin à paroles. Après tout, il ne s'agit pas d'un défaut, Peppa. C'est important de parler. En fait, je pense que tu es une spécialiste en bavardage. Tu as raison. Je suis une spécialiste en bavardage. Je suis une spécialiste en bavardage, moi aussi. Certainement pas, c'est moi le moulin à paroles. Je suis un plus grand moulin à paroles que toi. Oh oh, vous êtes toutes les deux pareilles. C'est vrai qu'on se ressemble. C'est pour cette raison qu'on s'entend tellement bien. Bla, bla, Peppa bla, bla, adore bla, parler. Bla, 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 Suzy adore bla, parler. Bla, 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 tout le monde adore parler. De gymnastique. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont faire du sport. Voyons si vous avez tous revêtu votre tenue de sport. Pedro porte un costume de super-héros. Pedro, où est ta tenue de sport? À la maison. Je croyais que c'était carnaval aujourd'hui. Suivez-moi, les enfants. Voici la salle de sport où les mamans et les papas passent un bon moment en faisant de l'exercice physique. Est-ce que vous vous amusez bien? Oui, on s'amuse beaucoup.
Aujourd'hui, votre professeur de sport sera Papy Rabbit. Et où est-ce qu'il est? Bonjour les enfants, est-ce que vous êtes prêts à faire de l'exercice? Oui, Papy Rabbit. Est-ce qu'on est obligé de faire la même chose? Non, ça c'est réservé aux grands athlètes comme moi. Ce n'est pas pour les jeunes aventuriers comme vous. Mais nous, on n'est pas des aventuriers. Oui, mais avec moi, vous allez le devenir. Sauf que toi, tu ressembles davantage à un super-héros. C'est juste pour faire semblant. Et tu as bien raison, Pedro. D'abord, on va s'échauffer. Faites comme moi, courez sur place. Remuez les bras. Et maintenant, retirez-vous. Allez. Faites le pot de confiture. Et c'est bien. Et propos. Maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va pouvoir partir. Partir où? Partir à l'aventure. Oh, imaginez que vous n'êtes pas dans une salle de sport, mais dans la jungle. Cela ne ressemble pas à la jungle. Oui, où sont les arbres? Il faut que vous les imaginiez. Les arbres, la pluie, le torrent rapide qui coule à vos pieds. Votre première aventure consiste à marcher sur ce banc pour franchir le torrent. Oh là là, c'est facile. Seulement, il fait nuit noire et il y a beaucoup de vent. Fou. Pourquoi? Ah, parce que je l'ai vécu personnellement. Il faisait nuit et le vent soufflait par rafales. J'étais parti en expédition dans la jungle. Vous êtes prêts? Mais il ne fait pas nuit et il n'y a pas de vent, Papy Rabbit. Faites travailler votre imagination. Tout le monde réussit à franchir le faux torrent. Ouais! Félicitations, mes petits aventuriers. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, Papy Rabbit, votre prochaine aventure consiste à passer au-dessus de ce marécage rempli de crocodiles. Ah! Je ne vois pas de crocodiles, moi. Fais comme s'il y en avait. Montre à ces méchantes créatures qui est le patron. Allez-vous-en, espèce de vilain crocodile. Ça c'est bien, Pedro. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de traverser un marécage plein de crocodiles? Naturellement, Danny. Et vous avez eu peur? Ce sont les crocodiles qui ont eu peur de moi. Vous êtes prêts? N'oubliez pas de pousser le cri. Réussit à franchir le marécage rempli de crocodiles. Bravo! Quelle est notre prochaine aventure? Voici un saut de cheval. Les grands athlètes sautent par-dessus comme ceci. Oh! Mais faites comme s'il s'agissait d'un dinosaure et passez entre ses pattes. Est-ce que vous êtes déjà passé entre les pattes d'un dinosaure, Papy Rabbit? Bien sûr! Un jour, alors que je traversais la jungle, je me suis retrouvé face à ce gigantesque animal. Et voilà! Vous avez réussi à traverser la jungle! Ouais! Alors, votre cours de gym s'est-il bien passé, les enfants? Oh oui, Madame Gazelle! À présent, ce sont de véritables petits aventuriers. On est passé au-dessus d'un torrent et d'un marécage rempli de crocodiles. Et on s'est faufilé entre les pattes d'un dinosaure. J'adore les cours de gymnastique avec Papy Rabbit. Mignon de Monsieur Fox. Peppa joue avec ses amis par une belle journée ensoleillée. Oh, regardez, voilà Freddy Fox. Bonjour les amis. Bonjour Freddy. Et si on allait grimper jusqu'en haut de la grande colline? Oui. Vous êtes matinal, monsieur Fox. C'est l'après-midi, monsieur Pig. L'après-midi? Quoi déjà? Ma montre a dû s'arrêter. Justement, je vends des montres et des horloges. Allons voir ce qu'il y a dans mon camion, voulez-vous? Voici l'horloge de mon grand-père. C'est un peu trop grand. Joli, n'est-ce pas? En fait, c'est un modèle qui se vend par trois. Oh! Qui a la sonnette la plus bruyante? Il n'y en a pas sur mon vélo. Oh! Mais mon papa en a sûrement une à l'arrière de son camion. Mieux vaut posséder trois horloges qu'une seule. Papa,
Est-ce que tu auras une sonnette de vélo, s'il te plaît? Oui, et combien en veux-tu, mon grand? Je n'en ai besoin que d'une seule. Elle n'existe qu'en boîte de deux. À présent, le vélo de Freddy est équipé de deux sonnettes. C'est chouette! Merci, papa. Mon papa m'a donné deux sonnettes. Waouh! Il y a quoi d'autre dans le camion de ton papa, Freddy? Il y a absolument tout ce que tu veux. Oh! À quoi est-ce qu'on pourrait jouer maintenant? Comme on est à vélo, si on faisait une course. D'accord, et le vainqueur gagnera une belle coupe toute dorée. Mais où est-ce qu'on va trouver une coupe toute dorée? Oui, où est-ce qu'on va pouvoir trouver une coupe toute dorée? Bon, je vais voir ce que je peux faire pour en trouver une. L'avantage d'avoir sa propre bétonneuse, c'est qu'on a plus... Papa, tu aurais une belle coupe toute dorée, s'il te plaît? On voudrait faire une course cycliste. S'agit-il d'une course importante, Freddy? Oh oui, très importante même. Celle-ci te convient? Génial, merci papa. Waouh, elle est en or. Tout à fait, c'est du plastique en or massif. Oh. Voici la coupe pour le vainqueur. C'est du plastique en or massif en plus. Waouh. Tu avais raison, Freddy. Il y a vraiment tout dans le camion de ton papa. Oui. Mais... Le premier arrivé à la maison de Peppa a gagné. Attention, vous êtes prêts? Partez! Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'appareil disparaisse. Oh. Et en appuyant sur l'autre bouton, vous pouvez écouter de la musique. Tous les enfants sont arrivés en même temps. Alors tout le monde a gagné. Mais on n'a qu'une coupe, monsieur Renard. En fouillant dans mon camion, j'en ai trouvé une pour chaque vainqueur. Super! Monsieur Fox, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dans votre camion? Mettez-moi au défi. Est-ce que vous avez un banjo? À quatre ou cinq cordes? Mais... Moi, je suis sûre et certaine que vous n'avez pas d'arbre dans votre camion. Pommier ou poirier? Je parie que vous n'avez pas de fusée dans votre camion. J'en ai une boîte de cinq. Et des poules, est-ce que vous en avez? Oui, la voici. Le camion de Monsieur Fox est magique. C'est un super camion. Je ne te le fais pas dire. Viens, Freddy, il est temps de rentrer. Au revoir à tous. Au revoir. Est-ce que vous avez aussi un château gonflable? Oui. Et une cabane de jardin? Oui, j'ai tout, absolument tout. Zut, je n'ai plus d'essence. On trouve de tout dans le camion de Monsieur Fox, sauf de l'essence. Je n'ai plus qu'à me rendre à la station-service. Je vous remorquerai bien, seulement je n'ai pas de corde. Ce n'est pas ce qui manque dans mon camion. Regardez, je les vends par cinq. Est-ce que nous pouvons venir avec vous? Pourquoi pas? Papa Pig remorque le camion de Monsieur Fox jusqu'à la station-service. Zamide Chloé. Peppa va rendre visite à sa cousine Chloé avec toute sa famille. J'adore m'amuser avec ma grande cousine Chloé. Chloé, Chloé. Oh, Chloé. Bonjour, je vous présente mes meilleurs amis. Voici Simon Squirrel et Belinda Bear. Mais tu peux m'appeler Sim, c'est le diminutif de Simon. Et moi, Belle, c'est le diminutif de Belinda. Je m'appelle Peppa. On va t'appeler Pep. Oh, et lui, c'est mon frère Georges. On va t'appeler Jo. Oh. Tout à l'heure, tu avais oublié de nous dire que tes cousins étaient des bébés, Chloé. Attends, je ne suis pas un bébé. Pourtant, vous êtes petits tous les deux. Moi, je suis une grande fille. C'est Georges qui est petit. Et si on jouait tous ensemble, les amis? D'accord, faisons une partie de cache-cache. On n'a plus vraiment l'âge de s'amuser à des jeux de bébés. On est presque des grandes personnes. Et si on jouait au ni oui ni non alors? C'est quoi le ni oui ni non? Moi, je pose des questions et vous, vous devez y répondre. Je ne vois pas du tout en quoi c'est amusant. On n'a pas le droit de répondre par oui ni par non. C'est vraiment trop facile. Vous avez envie d'y jouer alors? Oui. Tu as dit oui. C'est pas juste, j'étais pas encore prêt. Belle, est-ce que tu es prête, toi? Oui. J'ai encore gagné. Peppa est très forte au jeu du ni oui ni non.
Est-ce que je peux poser les questions maintenant, Peppa? Mais bien sûr! J'espère que cela ne te gêne pas de répondre à mes questions, Peppa. Cela ne me gêne pas du tout. Est-ce que je vais réussir à te faire dire oui ou non? Je ne le pense pas. Oh, et puis j'abandonne. Comment tu fais pour gagner à chaque fois? C'est facile. Il suffit d'éviter de répondre par oui ou par non. Je t'ai eu. Tu viens de dire oui et non. C'était rigolo. On va jouer à autre chose maintenant. Vous avez déjà joué à Sardine? En quoi cela consiste? Il y a un joueur qui se cache et tous les autres doivent le retrouver. Mais c'est exactement la même chose que le jeu de cache-cache. Sauf que quand tu trouves le joueur, tu te glisses dans sa cachette et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs soient cachés au même endroit. Comme des sardines dans une boîte de conserve. D'accord, on n'a qu'à faire une partie. C'est toi qui vas aller te cacher le premier, Georges. 1, 2, 3. Georges est en train de se chercher une cachette. 9, 10. Attention, Georges, on arrive. Georges, je vois ta petite queue en tire-bouchon. Peppa se cache avec Georges. Pousse-toi un peu. Je vous ai trouvé. C'est au tour de Chloé de se faire une place près de Peppa et Georges. Poussez-vous. Vous voilà. À présent, c'est à Belinda de se faire une place dans la cachette. Poussez-vous. On est comme des sardines dans une boîte. Où est-ce qu'ils ont bien pu se cacher? Ici. Oh. Et si on arrêtait de courir partout maintenant? D'accord, maintenant on va se la couler douce. Se la couler douce? Ça veut dire quoi? On reste tranquille tout en parlant de choses et d'autres. J'aime bien parler. Bla bla bla. Je vous propose de parler de musique. Moi par exemple, comme musique, j'adore le blues. Et moi, j'adore la musique chemise. Et moi, Peppa, j'aime la musique robe. Par contre, on n'aime pas du tout la musique pour enfants. Non. Et toi, Pep, quelle est la musique que tu préfères? Je vais vous la faire écouter. C'est très sérieux comme musique. Tête, épaules, genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaules, genoux, pieds, genoux, pieds. Et œil, oreille, et bouche et nez. Tête, épaules, genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaules, genoux, pieds, Peppa, genoux, pieds. Georges, tête, il est l'heure de rentrer épaules, à la genoux. Maison. Oh. Rassurez-vous, vous reverrez Chloé bientôt. Je viendrai vous rendre visite la semaine prochaine, Peppa. Est-ce qu'on pourra venir avec toi? Oui, mais on passera notre temps à s'amuser. Tant mieux, parce qu'on adore s'amuser avec Peppa et Georges. Génial! Vous pouvez encore aimer vous amuser, même si vous êtes presque une grande personne.